Salut à tous les amis, c'est Georges de Stonecast. Aujourd'hui, je vous présente un FZ8 de 2012. Je sais que je vous ai déjà fait ça sur ma chaîne, mais je la trouve vraiment belle, quoi. Je vous la fais aujourd'hui. Bon les amis, voilà, on est sur un FZ8 hein, de 2012. Vous voyez. Alors, on est sur un cadre diamant en alu. Enfin, on est sûr, on n'est pas sûr. Hein. C'est un cadre diamant en alu. Le réservoir, il contient 17 litres. Voilà. Tout plein fait, elle fait 211 kg. Avant, on est sur un genre 17 pouces. Hein, vous connaissez, fourche des hydrauliques inversées. Deux disques de 310 mm et trier 4 pistons. Voilà. On va passer sur le train arrière. Alors, au niveau du train arrière, on est sur un mono-amortisseur, vous connaissez. Bah oui, vous connaissez. On est sur un disque de 267 mm et trier 2 pistons. Voilà, la jante c'est 8-17 pouces. Hein. Avec le petit lèche-roue à l'arrière. Alors on est sur une boîte 6 rapports, hein. Moteur 4 cylindres, 4 temps. En ligne, refroidissement liquide, injection, 4 soupapes par cylindre, elle fait 106 chevaux à 1000 tours minute, la vitesse max elle prend 230 km/h. Bon après voilà, je vous l'ai déjà fait, donc je vais pas vous donner plus de détails, hein, vous la connaissez, je l'ai déjà fait plein de fois sur ma chaîne, vous voyez. Avec un petit sabot, voilà. Elle a le 4 en 1. Elle a le 4 en 1 Léo Vinci. C'est la ligne complète. Voilà. Rien. Je vais vous la mettre en route. Vous allez voir, ça chante. Hein. La queue Léo Vinci, c'est vraiment, vraiment, elle a vraiment un beau bruit, quoi. On part pour le compteur contour, tout le bordel. Bon, pour le compteur contour, voilà. Allez, je vous la mets en route. Petit pote, hein, ouais. Surtout abonnez-vous, likez, partagez, hein. C'était Georges de Stonecast, salut à tous, à la prochaine, ciao.